Bonjour, mon nom est Valérie Thérien. Je suis directrice générale au Musée Pop à Trois-Rivières. Le Musée Pop met en valeur la culture populaire du Québec. Alors aujourd'hui, je me retrouve dans la salle d'exposition Attache-Tatuc, une virée décroissante de la culture québécoise. Vous remarquez que je suis bien ici dans la salle d'exposition puisque le musée est fermé en raison de la pandémie de la COVID-19. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des musées. Les musées sont des endroits qui sont pour le public, ils appartiennent à la population. Alors, un musée, ça conserve et protège un patrimoine matériel et immatériel en lien avec sa mission. Ensuite, un musée, ça offre des expériences qui sont mémorables, enrichissantes et qui permettent également aux visiteurs d'en découvrir et d'en apprendre davantage sur un sujet donné. Les expositions dans les musées sont créées et conçues à partir de la mission de l'institution muséale et aussi pour mettre en valeur leurs objets de collection. Saviez-vous aussi que les musées peuvent se prêter des objets? Donc, un musée peut emprunter un objet de notre institution muséale pour enrichir son exposition. Et également, une exposition peut être conçue dans un musée et être prêtée à un autre musée. Donc, l'exposition voyage au Québec, mais également au-delà des frontières. Alors, en ce temps de confinement, je vous conseille fortement de consommer la culture du Québec à travers les plateformes numériques. Les musées ont mis en ligne depuis le début du confinement plusieurs activités virtuelles, plusieurs expositions virtuelles. Je vous conseille fortement de les consommer. La culture fait du bien. La culture, c'est du bonheur. Et pourquoi pas en profiter pour voyager sur Paris, sur Londres, pour aller voir ce que les grands musées internationaux ont mis également sur leur plateforme numérique. Alors, je vous souhaite un bon confinement. Consommer la culture et on lâche pas.